ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Allah Ta'ala a dit donc dans le sens rapproché qui a été traduit en français avant de l'expliquer, eh bien, espérez-vous, ô vous musulmans, que des gens pareils que les juifs, des gens pareils, c'est-à-dire il désigne par là les juifs, vous partageront la foi, c'est-à-dire partageront la foi sur laquelle vous êtes et croiront dans ce en quoi vous croyez,
Alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants pour leur couper l'espoir du fait que ces gens du livre-là, comme Allah les a décrits dans ce verset, partagent avec eux la foi sur laquelle ils sont. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, est-ce que vous espérez cela? Vous espérez qu'ils aient, vous les musulmans, que ces gens-là qui ont combattu les prophètes, qui ont changé les livres et falsifié sciemment la parole d'Allah après qu'ils l'aient bien comprise, est-ce que ce genre de personnes, vous croyez qu'ils vont croire comme vous, vous croyez? Donc quelqu'un qui se comporte de cette manière-là, qui tourne le dos sciemment, qui se détourne du rappel après l'avoir compris, après qu'il lui soit venu, et la preuve lui a été établie, il l'a connu, il l'a comprise, il l'a assimilé, mais malgré ça, il s'en détourne. Et pas seulement il s'en détourne, il la falsifie. Est-ce qu'il y a un comportement plus grave que cela? Comment vous pouvez espérer que ces gens croient? La falsification, elle peut se passer de plusieurs manières. Ou bien c'est une falsification dans les écrits directement, en changeant des mots, en rajoutant, en diminuant. Ou bien cela peut être une falsification en changeant le sens voulu par cette révélation et par les versets. Et après cela, après avoir falsifié, ils ne se sont pas arrêtés là, mais ils ont prétendu que c'était de la part d'Allah. Et ils ont prétendu que c'était la religion d'Allah. Donc, regardez les degrés dans l'égarement. Se détourner après que la vérité soit venue, après qu'il l'ait comprise et mémorisée, la falsifier et mentir sur Allah. Subhanahu wa ta'ala, en disant « huwa min indillah » alors qu'il ne vient pas de la part d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Si ceci est leur comportement concernant le livre qui leur a été révélé à eux, qu'ils considèrent être comme un livre saint, et ils ont, malgré leur respect et leur foi dans le livre qu'ils ont reçu, voilà le comportement qu'ils ont eu envers ce livre. Alors qu'allez-vous attendre d'eux concernant le livre qui a été révélé à vous? Si le livre qu'eux-mêmes respectent, soi-disant, ils ne le respectent pas réellement. Voilà ce qu'ils ont fait avec. Alors qu'attendez-vous qu'ils fassent avec la révélation du Coran? Donc ça, c'est quelque chose de vraiment lointain. Donc voilà le sens de ce verset qui s'adresse aux musulmans. Puis Allah subhanahu wa ta'ala parle du comportement de ces gens-là, comment ils étaient. Au moment de la révélation du Coran, quand ils se sont mélangés aux musulmans, à Médine, Al-Madina. Dans le sens, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et quand ils rencontrent les croyants, ils disent, nous croyons. Et une fois seuls entre eux, ils disent, allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi en argument contre vous devant votre Seigneur? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle du cas des hypocrites parmi les gens du livre. La grande hypocrisie. Le fait de faire apparaître la foi et de cacher la mécréance. Quand ils rencontraient les croyants, ils disaient avec leur langue, nous avons cru. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur poitrine. Mais quand ils retournaient et qu'ils étaient contre eux, entre koufars, que ce soit les koufars qui ne montrent pas l'islam, ou bien les koufars qui montrent l'islam, qui c'est les munafiqins, les hypocrites, ils montraient leur vérité. Certains d'entre eux les reprenaient, ils disaient, est-ce que vous allez dévoiler aux musulmans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a révélé afin de leur fournir un argument par lequel ils pourront parler contre vous le jour du jugement dernier devant votre Seigneur? C'est quoi cet argument? Le fait que par exemple ils disent on a cru, cela sous-entend qu'ils démentent dans les faussetés et dans les falsifications et dans les égarements qu'il y a dans les autres religions, qu'ils ont rejeté les autres religions, n'est-ce pas? Donc en faisant cela, ils sont en train de témoigner contre eux-mêmes qu'ils sont égarés. Et ils sont en train de donner un argument aux musulmans par lequel ils pourront présenter cela devant Allah et Yawm al-Qiyamah. Ya Allah,
devant nous, ils nous disaient que leur foi, elle est fausse et que notre foi, elle est vraie, elle est juste. Donc les autres parmi leur groupe de mécréants, ils leur disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous allez donner aux musulmans des arguments par lesquels ils vont pouvoir vous combattre et polémiquer avec vous, Yawm al-Qiyama, devant Allah subhanahu wa ta'ala? Vous n'avez pas de raison. Vous vous poussez vous-même à votre propre perte. Et Allah ta'ala répond à cela. Ne savent-ils pas que Allah connaît ceux qu'ils cachent et ceux qu'ils divulguent? C'est-à-dire que qu'ils viennent le dire avec leur langue devant les musulmans ou qu'ils ne viennent pas le dire avec leur langue devant les musulmans, à partir du moment où ils l'ont reconnu dans leur cœur que cette religion est la vérité, à partir du moment où ils ont su que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a été annoncé dans la Torah et l'Injil, alors Allah sait ce qu'il y a dans leur poitrine. Ce sera aussi un témoin contre eux. Donc qu'ils le divulguent aux musulmans ou qu'ils ne le divulguent pas, c'est pareil. Donc qu'ils cachent ce qu'ils croient ou ce dont ils sont sûrs ou qu'ils le montrent, ce sera un témoin contre eux le jour du jugement dernier. Et car Allah subhanahu wa ta'ala informera les croyants yawm al-qiyama sur leur réalité et les croyants pourront justement témoigner contre eux le jour du jugement dernier, quoi qu'il en soit. Donc l'argument que l'autre groupe de mécréants a dit aux hypocrites, de toute façon il est faux. Puis Allah subhanahu wa ta'ala continue en citant leurs caractéristiques. Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des prétentions et ils ne font que des conjectures. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la première partie, il a parlé des lettrés et des savants parmi les gens du livre. Et il a montré leur comportement. Maintenant, il parle de qui ? Des gens du commun parmi les gens du livre. Et il les décrit. Il dit, et parmi eux, il y a des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des prétentions et ils ne font que des conjectures. Ici, les savants ont divergé sur la parole de illa amaniya. Certains d'entre eux considèrent que inhum illa yadhunnun, ils ne font que le lire sans méditer sur leur sens. Ça, c'est une explication. C'est-à-dire, ils le lisent avec leur langue, mais ils n'y comprennent rien. Et Cheikh Mohamed Al-Amin Shanqiti, rahimahullah, il repousse cette parole. Il dit non. Car Allah, il dit, wa minhum ummiyun. Parmi eux, il y a des illettrés. Donc, un illettré, il ne sait pas lire. Donc, ici, amaniya, c'est les prétentions. Et c'est quoi cette prétention? Le feu ne nous touchera que quelques jours. Wadih. Donc, les savants ont divergé sur cela. On va voir plus tard que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, rapporte des petites précisions sur cela. Quoi qu'il en soit, que l'on dise que ici c'est des prétentions, c'est juste, le Coran est venu le confirmer, ou que l'on dise qu'il récitait, dans ce cas-là, on dira qu'il récitait sans être lettré. Et ceci est possible aussi, comme la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des ummiyoun, qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui récitent. Donc ils peuvent très bien réciter la Torah ou l'Injil sans être lettrés. Donc cela ne se contredit pas, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ces gens du commun, qui ne sont pas des gens de science, qui ne connaissent rien du livre, comme il dit, l'imam Sa'di, lui, il a renforcé l'avis qu'il dit qu'ils n'en connaissent que la lecture, que la récitation, mais ils n'en connaissent pas l'essence, ils n'en connaissent pas les règles, ils récitent, c'est tout. Et ils ne savent pas ce qu'il y a chez les premiers comme vérité, ni comme faux pour connaître leur état. Et ces gens-là, en vérité, ne suivent que la conjecture. C'est-à-dire, c'est des suiveurs aveugles. Ils ont leurs savants qui falsifient le livre. Eux, ils récitent le livre sans en comprendre et sans chercher à comprendre. Et ils suivent aveuglément leurs savants. Mais même plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala a cité comment ils sont avec leurs savants. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, ils ont pris leurs savants et leurs dévots en tant que seigneur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que le Messie, fils de Maryam. Quand ce verset fut révélé, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était chrétien, il dit, oh messager d'Allah, j'étais chrétien, on n'adorait pas nos savants.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui rétorquer, quand il vous interdisait le licite, le halal, vous leur obéissiez? Il a dit oui. Quand il vous autorisait l'illicite, vous leur obéissiez? Il a dit oui. Il a dit voilà comment vous étiez en train de les adorer. Donc, quand une personne suit dans le fait de rendre licite et illicite une personne, tout en sachant que ce qu'il fait est contradictoire à la législation d'Allah. C'est-à-dire, il sait que quand celui-là, il dit, par exemple, le riba, l'usure, elle est licite, lui, il sait au fond de son cœur que c'est illicite. Et il sait que ce savant, il a rendu licite ce qu'Allah a rendu illicite. Il le sait pertinemment, mais il le suit. Quand il l'a fait cela, il l'a pris en seigneur en dehors d'Allah. Wadih. Ça, c'est de l'istihlal. C'est le fait de croire ou de prétendre la licéité d'une chose qu'Allah a rendue illicite. Ou le contraire, de rendre illicite une chose qu'Allah a rendue licite. Donc dans ces versets qu'on a vus auparavant, Allah Ta'ala a cité le cas de leurs savants, puis le cas des gens du commun, le cas de leurs hypocrites, et le cas de ceux d'entre eux qui n'ont pas montré l'hypocrisie. Alors les savants parmi eux, ils sont attachés à leur égarement. Les gens du commun parmi eux, ils les suivent aveuglément, et personne d'entre eux n'a de clairvoyance. Donc il n'y a dans aucun de ces deux groupes un espoir de guider. C'est dans ce sens-là. Donc Allah Ta'ala, il les fustige, il les critique, et il montre la réalité de leur bassesse. Que ces gens-là, ils ont eu tous les signes, et que ce soit les savants parmi eux ou les gens du commun, ils ne cherchent pas à la guider. Donc toute personne qui est dans cet état-là, qu'il fasse partie des gens du livre ou non, également, il n'espère pas avoir la guider. Puis Allah subhanahu wa ta'ala parle de qu'est-ce qui les attend. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ceux qu'ils en profitent. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala met en garde ces personnes-là, car l'ouaï, c'est une mise en garde d'un châtiment. C'est une mise en garde d'un châtiment terrible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala met en garde ceux qui falsifient le livre, qui disent, en plus de cela, après avoir falsifié, ceci vient de la part d'Allah, vient d'Allah. Et cela, c'est en cachant la vérité et en mettant en apparence ou en faisant apparaître le faux. Ils ont fait tout cela sciemment. Mais Allah Ta'ala a désigné la cause pour laquelle ils ont fait cela. Pour qu'ils achètent, pour qu'ils gagnent par cette falsification, par ce changement, un vil prix. Tout ce dunya et tout ce qu'il contient, c'est un vil prix par rapport à l'au-delà. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple de ce bas monde par rapport à l'au-delà, c'est comme une personne qui a mis son doigt dans la mer, puis qui l'a ressorti. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce dunya avait la valeur d'une aile de moustique auprès d'Allah, il n'aurait pas donné une gorgée à boire à un mécréant. Donc, est-ce que ce dunya, il a une valeur auprès d'Allah? Non. Donc, ils ont fait de leur faux et de leur falsification des signes d'Allah, des versets d'Allah, des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme un filet avec lequel ils chassent ce qu'il y a dans les mains des gens. Donc, on vous fait la fatwa que vous voulez, on vous transforme le livre comme vous voulez, donnez-nous juste des pots de vin. Ramène l'argent, je te dis tout ce que tu veux. Il change la parole d'Allah, il ment sur Allah, et en plus il dit ça vient de la part d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, voilà ce qu'il a dit d'eux. Donc leur injustice, elle est de plusieurs sortes. Premièrement, dans le fait qu'ils ont caché, qu'ils n'ont pas montré la vraie religion, et qu'ils n'ont pas transmis ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a obligé ou rendu obligatoire de transmettre. Leur
falsification et leur le fait qu'ils ont maquillé, tronqué, trompé les gens en ne montrant pas la vraie religion. Ça, c'est la première injustice. La deuxième injustice, c'est qu'en plus, ils prennent de l'argent sur cela. Déjà, prendre de l'argent sans droit, c'est une injustice. Mais là, c'est pire. Cette manière de prendre de l'argent, c'est encore pire que voler. Ou bien récupérer un argent illicite. Car c'est en échange de changer la religion des gens. En échange de falsifier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas quelque chose de petit. C'est le pire du pire. En plus du fait qu'ils ont menti sur Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont parlé sur Allah sans science. Et parler sur Allah sans science est un des plus grands péchés. Mentir sur Allah et falsifier est encore pire. Car parler sur Allah sans science est la cause de tous les égarements, du shirk et de tout le mal. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que c'est le pire des péchés, car c'est lui qui est la cause du shirk et la cause du mal. S'il n'y avait personne qui parlait sur Allah sans science, s'il n'y avait pas des gens qui disaient « Oui, adore cette statue, elle va te donner du bien », personne n'irait adorer cette statue, n'est-ce pas? Il y a eu une première personne qui a parlé sur Allah sans science, qui est la cause de tout le shirk qui s'est répandu et de tout le faux. Non. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé cela en disant « Donc le malheur et le châtiment, il est à cause de ce que leurs mains ont écrit en falsifiant et en trompant les gens, en changeant la parole d'Allah. Et ils ont le malheur et la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et le châtiment qui les attend à cause de cet argent illicite qu'ils prennent pour cela. » Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, en parlant de tous ces versets qu'on vient d'expliquer depuis Afatat Ma'oun, du début de ce cours jusqu'à maintenant, il a dit, rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala a fustigé ceux qui falsifient et qui changent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui les sortent de leur sens. Et ceci concerne toute personne aussi qui porte le livre et la sunna, ou bien toute personne qui veut faire porter au livre et à la sunna des fondements pour défendre leurs innovations fausses et injuste. Il a aussi fustigé ceux qui ne connaissent pas le livre, sauf en le récitant, et cela concerne toute personne qui ne médite pas le Coran et qui ne connaît que sa lecture, la lecture de ses lettres, sans en comprendre l'essence. Puis, Cheikh l'Islam continue en disant, cela englobe les personnes qui ont écrit un livre avec leurs mains, contradictoire au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour en gagner un bien éphémère de ce bas monde. Et il dit, cela est de la part d'Allah. Ou alors, il dit, ceci est la législation et la religion. Ou bien, il dit, ceci est voulu par le sens du Coran et de la Sunna. Ou bien, il dit, ceci est la religion des salafs et des imams. Ou bien qu'ils disent, ceci est les fondements sur lesquels nous devons nous mettre d'accord et croire, et qu'il est obligatoire à chacun, c'est une obligation communautaire de connaître. Donc toutes ces personnes-là, qu'ils le disent de cette manière ou d'une autre, ils rentrent dans ce verset. Puis il a dit, rahimahullah, cela concerne aussi celui qui tait et qui cache ce qu'il possède de vérité venant de la part d'Allah, du livre d'Allah et de la Sunna, pour ne pas que ceux qui le contredisent le prennent comme preuve contre lui, comme les juifs qui voulaient cacher une partie de la vérité qu'ils savaient pour ne pas que ce soit une preuve contre eux. Puis il a fini ce passage en disant, toutes ces choses, tout ce genre de comportements qui sont nombreux, très nombreux, chez les gens des passions, comme les Rafida et El Jahmiya et tous ceux qui leur ressemblent. Parmi les gens des passions et les gens de la rhétorique, Ahlul Kalam, et aussi
des gens qui suivent les innovations. Et on trouve aussi beaucoup d'exemples d'égarements, comme on vient de le citer, chez nombreuses personnes qui se présentent comme des fuqaha, comme des jurisconsultes et des savants. Donc regardez comment Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit cela dans son livre Dar'u Ta'arud al-Aqli wa al-Naql, page 77-78. Donc en expliquant ces versets-là. Donc ces versets, quand Allah tabaraka wa ta'ala nous parle du comportement des savants et des gens du commun et des gens qui cachent les preuves parmi les juifs et les gens du livre, c'est pour que le musulman en tire leçon et qu'il n'agisse pas pareil. Car voilà ce qu'ils ont mérité. Ils ont mérité al-wail, un châtiment terrible, un malheur, une malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute personne qui vient même après cela, parmi même les musulmans, ou ceux qui s'affilient à l'islam, qui se comportent comme eux, parmi leurs savants, ou parmi le commun des gens, ou parmi ceux qui se prétendent être des fuqaha, ou parmi les sectes égarées, qui se comportent de cette manière-là, alors ils sont englobés et ils sont cités par ces versets et Allah parle d'eux en même temps qu'il parle des juifs dans ces versets et des gens du livre qui ont eu ces égarements-là. Comme quand on récite la Fatiha et on dit « Ghayr al-maghdoubi alayhim wa al-dhalin ». Que disent les savants dans l'explication ? « Guide-nous dans le chemin de la rectitude, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. » Ils ont dit « Les juifs ». Car ils ont connu la vérité et ne l'ont pas suivie. Et tous ceux qui sont comme eux, qui connaissent la vérité et qui ne la suivent pas. Et les chrétiens qui ne connaissent pas la vérité mais qui ne veulent pas la savoir. Cela concerne aussi tous les gens qui sont sur leurs caractéristiques. Égarés. Il est égaré mais il se complaît dans l'égarement. Il ne cherche pas à ne plus être égaré, à savoir. Donc de même ici, quand Allah Ta'ala parle des caractéristiques et des causes qui ont mené Ahl al-Kitab, les gens du livre, à la perte, c'est pour que cela nous serve de leçon de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Mais malheureusement, certains l'ont fait, comme al-Rafida, comme al-Jahmiya, les gens des passions, les gens des sectes, les gens qui sont prêts à échanger l'au-delà contre ce bas monde. Allah salam wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit après cela, donc dans le verset 80 de l'Baqara, dans le sens de ces versets, et ils ont dit, donc en parlant de ces mêmes gens du livre, à la suite, le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Dis, auriez-vous pris un engagement avec Allah, car Allah ne manque jamais à son engagement, non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu où ils y demeureront éternellement. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils y demeureront éternellement. Allah tabaraka wa ta'ala cite l'une de leurs paroles, l'une de leurs prétentions, le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Donc, après qu'Allah Ta'ala a cité tous leurs mauvais actes, leurs mensonges, leurs falsifications, malgré tout ça, ils se font des éloges. Subhanallah. C'est-à-dire, la personne, il fait des péchés, il est dans le haram, il fait du shirk, il falsifie, il fait tout, et en plus, il se fait des éloges. Nous, on est des salihin. Il ne se suffit pas d'être égaré. Et même très loin égaré. Il se rajoute à ça, il se fait des éloges. Allahu Akbar. Ils se font des éloges à eux-mêmes. Et ils témoignent sur leur propre personne qu'ils sont préservés du châtiment d'Allah. Et qu'ils vont gagner sa grande récompense. Et qu'au pire des cas, le feu ne les touchera que quelques jours comptés. Sur les doigts d'une main. Ils ont réuni entre deux caractéristiques contradictoires. De mal agir et en même temps ils se sentent en sécurité. Alors que normalement, Allah tabaraka wa ta'ala a parlé, l'amn il est pour qui ? Ceux qui ont cru et qui n'ont pas taché leur foi par une injustice, c'est-à-dire le shirk. C'est eux qui sont en sécurité. Et ils sont bien guidés. Donc eux c'est tout le contraire.
Ils ont réuni le shirk, le kufr, le inad, le ilhad, le tahrif, le l'istihlal, les péchés, et après ça, ils se sentent en sécurité et ils se font des éloges sur leur propre personne. Allahu musta'an. Et tout ceci, bien sûr, n'est qu'une prétention de leur part. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a répondu à leur prétention en disant « Dis-leur, ô messager d'Allah, ô Muhammad, est-ce que vous avez un engagement auprès d'Allah ?» Subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, vous avez pris un engagement avec la foi en ses prophètes, avec son obéissance. Car c'est ça la promesse. C'est quand on a la foi dans les prophètes et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ceux qui ont la promesse d'être préservés et d'être en sécurité et d'échapper du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est la promesse d'Allah qui ne change pas en toute époque, avec tous les messagers. Ou bien, plutôt, vous dites sur Allah subhanahu wa ta'ala ce dont vous n'avez aucune science. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a informé que le fait d'accepter leurs prétentions, elle est dans l'une de ces deux choses. Ou bien ils ont un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils tiennent, c'est-à-dire qu'ils tiennent cet engagement de croire en Allah, en ses messagers et de l'obéir. Ou bien ils disent sur Allah ce qu'ils ne savent pas, c'est-à-dire ils mentent. Il n'y a pas une troisième solution. Ou l'un ou l'autre. Et en fait, c'est une manière qu'Allah tabaraka wa ta'ala présente la chose pour montrer encore plus leur absurdité et l'absurdité de leurs prétentions. Car ils pourraient, subhanahu wa ta'ala, dire tout simplement, ils ont dit ça et ceci est faux. Mais il les met face à leurs responsabilités. Ils disent, le feu ne nous touchera que quelques jours. Dis-leur, ô Mohammed, est-ce que vous avez un engagement avec Allah que vous tenez? Ou bien, vous êtes en train de dire sur Allah ce que vous ne connaissez pas? La réponse, elle est claire. C'est comme une personne, il vient te voir, tu sais que c'est un grand menteur. Il te raconte des histoires, mais incroyables. Tu dis de deux choses l'une. Ou bien c'est lui qui ment ou c'est toi qui mens. Et tu sais que le deuxième, il n'est pas menteur. Et lui, il sait que toi, tu veux dire par là que c'est lui qui ment. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala montre la nullité de leurs prétentions. Subhanahu wa ta'ala. Donc leurs prétentions, elles sont mensongères, bien sûr. Et ceci est encore plus pour les avilir, les humilier. Et on connaît de leur état qu'ils n'ont aucun engagement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils n'ont tenu. Car au contraire, ils ont traité de mensonges les messagers, beaucoup, jusqu'au point même d'en tuer certains d'entre eux. Donc si avec ça, ça ne suffit pas pour montrer leur état, il n'y a pas plus évident et plus clair que cela. Aussi, ce sont les premiers à ne pas respecter les pactes et les engagements, que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala ou avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on sait avec certitude après cela qu'ils mentent sur Allah subhanahu wa ta'ala et ils disent sur Allah ce dont ils n'ont aucune science. Et parler sur Allah sans science, comme on a dit auparavant, est un des plus grands péchés. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala a énoncé une règle générale pour tout le monde. Entre sous cette règle générale les enfants d'Israël et autres qu'eux. Cette règle-là, elle est pour toutes les personnes qui font le contraire des œuvres qui peuvent les sauver et qui prétendent après cela ou espèrent après cela être sauvés. Donc Allah tabaraka wa ta'ala répond à tout cela en disant « Bala, bien au contraire. » C'est-à-dire la chose n'est pas comme vous énoncez. Et ce que vous dites n'est pas véridique. Mais plutôt, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs propres péchés, voilà les gens de l'enfer qui demeureront éternellement. Ce verset est un verset dont les khawarij se sont servis pour défendre leurs croyances innovées et égarées. Celui qui fait un péché majeur, un grand péché, est un mécréant. Et il sera éternellement en enfer. Et ils ont dit ici, Allah Ta'ala dit, certes non,
celui qui fait un mal et qu'il est entouré de ses péchés, voilà celui qui restera en enfer où ils y demeureront éternellement. Et les gens de la Sunna disent que toutes les sectes égarées et tous les groupes égarés, les versets qu'ils utilisent pour appuyer leur fondement égaré, ou les hadiths, ou les textes qu'ils utilisent pour renforcer leurs égarements, tu peux les utiliser, les mêmes textes, contre eux, sans même aller chercher d'autres textes. Ils sont en réalité des arguments contre leur croyance. Ici, comment ce verset est un argument contre la croyance des Khawarij? Premièrement, Allah tabaraka wa ta'ala dit, certes non, celui qui commet un mal. Le mal, c'est une parole générale qui peut comporter le shirk et tout ce qu'il y a en dessous, n'est-ce pas? Mais ici, ce qui est voulu par le mal, c'est le shirk seul. Quelle est la preuve de cela? Et qui sera encerclé par ses péchés. Qui est la seule personne qui ne trouvera pas autour de lui et avec lui des hasanats le jour du jugement dernier? Celui qui a annulé tout avec le shirk, n'est-ce pas? Alors que celui qui a fait des péchés et des bonnes actions, il n'est pas encerclé par ses péchés. Il a des péchés et il trouve aussi des bonnes actions, n'est-ce pas? Donc ce verset, il vise les mushrikin. Il vise celui qui fait le plus grand des péchés, qui est le shirk. Et non pas celui qui fait un grand péché en dessous du shirk ou qui ne fait pas sortir de l'islam. Il n'est pas concerné par ce verset. Car cette personne, elle n'est pas entourée et encerclée par ses péchés. Est-ce que c'est clair? D'où l'importance, barakallahu fikum, de comprendre les textes selon la compréhension des salafs, des pieux prédécesseurs. Là, ce verset, quelqu'un le prend, il le comprend à sa manière, c'est un khariji. Ça devient un tekfiri, un khariji. Les chiens de l'enfer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité. Et la dangerosité d'expliquer le Coran selon son propre avis, selon sa propre interprétation, selon sa propre compréhension. Même un arabophone, il n'a pas le droit. Il y en a, ils sont même pas arabophones. Il lit le Coran en français, il dit, ça veut dire que si, que ça. C'est pas tout le monde qui explique le Coran, dans les savants. Le Coran, pour l'expliquer, il faut une maîtrise de dizaines de matières différentes. Pas une, deux, trois, quatre, des dizaines de matières. Que ce soit dans la langue arabe, dans les fondements de la croyance, dans les fondements du fiqh, dans le hadith, dans les causes de la révélation, dans, pour pouvoir expliquer le Coran. Le tafsir des sahaba, est-ce que leur tafsir il est authentique ou non? Est-ce que c'est des israéliates ou non? Il y a tellement de sciences à connaître pour pouvoir expliquer le Coran. Donc, déjà, il ne suffit pas d'être arabophone, même de lire dans plusieurs tafsirs pour pouvoir expliquer le Coran. Il faut maîtriser cette science-là. Alors, que dire d'un non-arabophone? Il vient, il prend le livre en français ou en je ne sais quelle langue, en anglais, mashallah. Ça veut dire qu'Allah, il a dit. Celui-là, j'ai peur qu'il tombe dans le verset, qu'il parle sur Allah sans science et qu'il est en train de faire le pire des péchés. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala leur répond que voilà vos actes qui vous ont ramené à la mécréance, ce péché-là, ce shirk, qui vous a sorti de la croyance et qui fait que vous serez entouré par vos péchés le jour du jugement dernier, toute personne qui est comme ça, qu'il puisse nourrir les prétentions qu'il veut et les espoirs qu'il veut, on se fera châtier que quelques jours, non, on n'ira pas en enfer, voilà sa demeure. Ils y demeureront éternellement dans un feu éternel et un châtiment sans fin, sans épuisement. Imaginez-vous ce que cela veut dire sans fin. Contrairement à Ahl al-Qibla, les gens de la Qibla, c'est-à-dire les musulmans, qui parmi eux, certains vont passer par l'enfer, certains grands pécheurs, qu'Allah aura voulu juger selon sa justice. Car yom al-qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala juge le serviteur ou par sa justice ou par sa miséricorde. Jamais autrement. Ou bien il le châtie par sa justice, ou bien il lui fait grâce et il le récompense par sa miséricorde. C'est pour ça, si tu demandes tu invoques Allah, que quelqu'un, qu'Allah agisse avec toi selon sa justice, en fait tu as fait dua contre lui. Alors que si tu dis qu'Allah te fasse miséricorde, tu as fait dua pour lui.
Parce que si c'est avec la justice, en vérité, quand on compare la réalité de nos actes et de ce qu'on mérite et tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés, en vérité, personne d'entre nous ne peut gagner le paradis. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Approchez-vous de la perfection et soyez constants et sachez que aucun d'entre vous ne sera sauvé par ses œuvres seules. » Ils ont dit « Même pas toi, ô messager d'Allah, même pas toi. » Il a dit « Même pas moi. » Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde et de ses bienfaits. Donc, l'accès au paradis et la sauver, c'est que par cela, par la miséricorde d'Allah et ses bienfaits. Et comment on peut gagner la miséricorde et les bienfaits d'Allah ? Avec la foi et les bonnes actions, pour être aimé auprès d'Allah, agréé auprès d'Allah. Car Allah n'agrée que celui qui a la foi et les bonnes actions. Mais celui qui pense que ses œuvres seules lui suffisent pour gagner ne serait-ce qu'un centimètre carré du paradis, si on peut dire un centimètre carré, ou bien le muhim, un coin du paradis, alors il rêve. Il rêve éveillé, cette personne. Et il se nourrit de fausses prétentions. Comme ceux qui ont dit « Lantamassana an-naru illa ayyaman mahduda ». Donc Allah a répondu à toutes ces personnes qui font le contraire de ce qu'il faut pour être sauvé, c'est-à-dire en étant mécréant, en donnant des associés à Allah, puis après qui se forgent des illusions sur leur devenir et qui prétendent qu'ils seront parmi les gens du paradis. On trouve beaucoup de mécréants. Quand tu parles avec lui, tu lui dis « Il faut croire en l'islam, Allah il a envoyé un messager ». Il dit « Ah, de toute façon, si je meurs, moi je vais aller au paradis, moi je ne fais pas de mal, je suis quelqu'un de bien ». Voilà, c'est la même chose. C'est des prétentions fausses. Parce qu'il n'a rien, il n'a pas fait ce qu'Allah tabaraka ta'ala lui a demandé pour gagner cela. Puis pour finir, Allah tabaraka ta'ala dit « Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils y demeureront éternellement. » Voilà les deux contraires. Vous prétendez avoir le paradis? Non, voilà le paradis et la réussite. Et la protection, elle est pour qui? Ceux qui croient d'une croyance authentique en Allah, en ses messagers, en ses livres, en ses messagers, en ses anges, aux livres révélés, à la destinée, au jour dernier, à la destinée bonne et mauvaise. Et qui pratiquent les bonnes œuvres. Et une bonne œuvre, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est qu'une œuvre qui est faite conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une œuvre qui n'est pas faite en conformité avec la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une mauvaise œuvre, n'est pas une bonne œuvre. Ou bien c'est une innovation, ou bien c'est un péché et une désobéissance. Voilà les habitants du paradis dans lequel ils y demeureront Khalidou, éternellement, sans fin. Et celui qui entre au paradis n'en sortira plus jamais. À la différence de ceux qui entrent en enfer, il y a les croyants parmi les gens qui font des grands péchés qui entreront en enfer pour en sortir un jour. Et pour entrer au paradis et ne plus jamais en sortir. Par contre, les mécréants, tous ceux qui n'agréent pas pour eux la religion de l'islam, ou qui ont fait des actes qui les ont fait sortir de l'islam et ne se sont pas repentis de cela avant leur mort, leur demeure sera l'enfer éternel. À toi de choisir, ya Abdallah, serviteur d'Allah, laquelle des deux demeures, tu veux pour toi éternellement. Allah Ta'ala t'a montré le chemin de chacune des demeures. Celui qui veut l'enfer, voilà quelles sont ses caractéristiques. Et celui qui veut le paradis, voilà quelles sont ses caractéristiques. Qu'est-ce qu'il doit faire ? فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ما يحب ويرضاه والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما